Chut. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo FIFA 20. Alors c'est pas du tout en rapport avec mon Europa League que j'avais fait dans les jours précédents. C'est là je fais un petit match avec ma sœur. Donc voilà, qui est à côté de moi, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça c'est ma sœur qui joue à FIFA. Donc elle est pas mal, hein, enfin pour son âge, parce que sinon elle est nulle pour... Enfin comment dire. Voilà, et du coup, bah, elle est Montpellier, car elle continue sa carrière. Et moi, je vais jouer avec Nice, les Niçois. Donc, on va voir comment c'est ce match. Et bon match à tous! Allez! Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. C'est parti! Attends, faut changer un truc là. Voilà. Allez, on reprend le match, les gars. C'est parti. Qui va vous accompagner à suivre dans quelques instants un match de Ligue 1 Conforama Montpellier face à l'OGC Nice. Alors, mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Oh non! Je me suis fait prendre là. Deux équipes en forme en cette première partie de saison. Ça peut donner un match très très intéressant. La composition de l'équipe Montpellier-Rennes. Allons-y. Dans les buts, on va retrouver Geronimo Rouilly. Vitorino Hilton en Rouilly. Défense. Avec à ses côtés Pedro Mendes. Jordan Ferry sera associé à Andreas Pereira en milieu de terrain. Et pour finir, il y aura deux joueurs devant. Avec quelques occasions à concrétiser, du moins, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Les 11 titulaires pour l'OGC Nice. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend de. Ouais, mais t'es fort, en vrai. La participation défensive des deux ailiers. Il porte le ballon. Et le tir. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Niklas Stark, Onas, Jorgensen. Il va pouvoir frapper peut-être. Ouais, touche pour le GC Nice. Ah, il a réfléchi, il a hésité l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Ouais, ah oui, il y a un truc. Pierre Lasmé. Est-ce qu'il va s'entrer ? Donc sur ma chaîne YouTube, je viens de passer le cap des 30 abonnés. Je suis content. Je suis très content même. Et donc ce serait gentil de liker cette vidéo aussi. Ouais, le gym qui a bien repris le ballon. Voilà, merci. C'était juste pour dire que j'avais 33 abonnés, voilà, et que j'avais passé le cap des 30. Voilà. Sur l'aile, Wendel, Pierre Lasmelou. J'ai tellement l'habitude de ne pas parler quand on fait vidéo. Jorgensen. L'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Rouli. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Bah allez, joue. Tu vas te prendre une faute. Je savais pas que je voulais. Ah ! Quoi ? Oh ! Voilà, parce qu'il avait en tête, il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oh, la faute, ouais, parce que j'ai fait trop fort. Encore. Il risque de prendre un jaune. Encore. Bon, le carton jaune. Va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, il peut y aller tout seul. Attal. Oh, la nouvelle occasion. Oh le lob. Oh le lob, les gars, le lob. J'ai mis un de ces lobes. Goal, 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 goal. Bah oui, j'ai marqué. Et on voit la lucidité du buteur sur cette action. Un lob, les gars. Le petit piqué comme il faut. 1-0 à la 31e. Il met le score dans cette rencontre. Mais il n'y a pas faute. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Bravo. Très bien, Morgan. Il n'y a pas eu faute, il y a eu touche. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace.
Oui, il va centrer. Attention à la frappe. Et le danger qui est écarté. Et la défense qui va pouvoir souffler. Un petit mot sur ce stade et sur son architecture, Pierre, vous qui êtes un féru d'architecture. Ah, je suis hyper féru. Bon, là, il n'y a rien de révolutionnaire pour le coup. Oh, c'est bien donné en profondeur. Jorgensen. Ah, j'ai tiré trop tard. Quel dommage. Il y a toujours danger. Il y a pas une faute. Bah, Morgan, arrête de mettre des fautes partout. Quoi? Andy Delors. C'est mal à mon gardien. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché. Allez, tire. Il a frappé. Il a été contré. Tammy Abraham. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Voilà, passe complètement manqué. C'est cadeau. Mi-temps, les gars. On se retrouve pour la deuxième pour la deuxième mi-temps tout de suite. Tu fais un changement ou pas? Non. Allez, c'est parti. Le ballon est pour l'OGC Nice à l'entame de cette seconde période. Je le sais. Et c'est pas moi, c'est Boulouric. Ah voilà, là on entend le son. C'est mieux. On cherche la faille. Allez, le tir. Oh, oh là 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 là. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. La frappe. Oh, ouais, mais bah, il est trop fort, Rouli. C'est pas juste. Je veux pas parler plus fort. Parce qu'on t'entendra pas. Calme-toi. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Première période satisfaisante pour lui. Mais il peut peser plus encore, à mon avis. Ma balle. D'accord? C'est ma balle. Andy Delors. Oh, après tu joueras contre Marseille. Mais c'est marqué en haut à gauche en fait. L'ouverture. Allez, c'est gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Très belle sortie. Le plat de tapé. Tu croyais que c'était une piscine? Ferry. Mais d'où il y a faute là? J'ai rien fait. Ouais, faute, faute mais pas de carton. Avertissement verbal tout au plus. Ambroise Oyongo. Quel sera le prochain adversaire de l'OGC Nice, Pierre? Cette formation sera opposée à Dijon pour cette rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. À mon avis, il n'y a pas photo là. Allons en profondeur. Goal. Eh oui. Plus spectaculaire, c'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Même toi, toi. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Liverpool qui a fait une acquisition dont on a beaucoup parlé, qui a été confirmée. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire ça. Jorgensen. Ah, presque, tellement dommage. Ça passe loin du cadre quand même. C'est tellement dommage. Congrès. Bonne récupération de l'OGC Nice. Chercher une ouverture, bien sûr. Attention à la frappe de loin. Ouais, j'ai bien tenté, mais bon, ça passe pas. Brouille-toi, tu vas te prendre une faute, je te dis. Voilà. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mais j'ai fait rien, là. On va à l'adversaire. Ce sera une touche pour les GC Nice. Je sais pas, je suis vraiment obligé de quoi. Éclat Stark. On va construire en passant sur les côtés. Mais non, mais je voulais pas faire ça. Ouais, bonne sortie du gardien. Je voulais faire un crochet et j'ai pas réussi quoi. D'habitude je réussis tout le temps.
Merci. Wendel. Non, c'est pas très bien joué. Oh, mais c'est pas tiré. Ah, c'est pas un crochet. C'est un truc, t'arrives comme ça, tu fais tac tac. C'est pas comme. Ouais, bah, je m'en fous. Merci, maman. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Il s'infiltre. On sent qu'ils ne se contentent pas de leur avance actuelle, hein, qu'ils font tout pour la croître. OV. Attention, le gardien qui loupe complètement son dégagement, c'est dangereux. Oh, que j'ai mal joué là, c'est incroyable comme j'ai mal joué. J'aurais pu gagner 5-0 là, sérieux. Ouais, c'est quand même mieux pour lui. J'ai très mal joué ce match. À s'en sortir, on dirait. Non, elle a été interceptée cette passe. Encore 7 minutes à jouer. Où est-ce que tu Allez, m'as peut-être fait une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Cette contre-attaque est c'est déjà terminée. C'est ça un crochet, regarde. T'es prête? Regarde mon joueur. Cyprien. Jorgensen. Un ballon. On dirait que ça commence à faire beaucoup là pour le public. Le poteau Le poteau, il attaque là le gardien. Ouais, j'ai jamais vu ça, regarde. Ah non, on peut pas voir. Ils utilisent la technologie. Quel dommage. J'avais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. Oh, tellement dommage. Mal, non, il n'y a pas but. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Il a failli marquer contre son camp. C'est incroyable quand même. Il s'est fait quand même tacler par le poteau, ton gardien. C'est incroyable. Le corner en direction du point de pénalty. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Parce qu'il y a corner pour moi. Logique. Ah, peut-être. Il s'échappe. Tu marques. Mais tire pas là, avance-toi. Bah, quand même, Morgan. Bah voilà, ça, terminé. T'aurais pu t'avancer, il y avait personne. C'est terminé. Victoire de moi, de Nice, 2-0. Donc voilà, c'était un match un peu nul en fait. Enfin, comment dire, j'ai pas été très fort sur ce match. Bon, ma sœur non plus, mais bon, elle en a l'habitude. Et il est très méchant. Et vous pourrez le dire dans les commentaires. Et donc voilà, cette vidéo se termine sur une victoire de 2-0. Donc on se retrouve pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un mot. Oui, Morgan, ça s'appelle liker. À mettre des commentaires si vous avez envie. Et à s'abonner en activant la cloche. Merci. Au revoir. Au revoir.